Et pour vous donner l'exemple, un ancien a pu rendre un dû hein, du début. Voici donc Olivier Lejeune. Oui. Lejeune, Lejeune. Oh. Tout va bien. Tout va bien. Toujours au club des 120, Lejeune. Eh ben, c'est pas bien. C'est bien, Lejeune. Courage, allez-y, mon vieux. Alors, comme ça, monsieur, on voudrait opter pour la nationalité française? Alors non, bien sûr que c'est votre droit, monsieur, bien sûr, mais personne ne vous force à devenir français, vous savez. Il n'y a pas de honte à rester étranger. Non? Ok, alors, bah, je suis là pour ça. Bien. Alors, quel est votre nom, s'il vous plaît? Pardon? Non, vous pouvez me l'épeler? En français? Oui, oui, oui. C'est pas possible. Oui. Ben vous êtes sûr, là? Ah, c'est fini, là? Ah, bah, dites donc. Ça, au Scrabble, sur un mot compte trip, ça me rapporte. Bon, alors, quel est votre prénom? Joseph? Ah, ben là, par contre, on voit qu'il y a un effort d'intégration. Ben, Joseph, c'est français, ça ne jure pas. Alors, ah, c'est hébreu comme provenance? Vous n'êtes pas hébreu, en plus. Ah, bon, bon. Oh, ben, au moins, c'est dans le calendrier, n'est-ce pas? Alors, ça vous fait 5 points. Oui, parce que on donne des notes, vous voyez, puis alors en dessous d'un certain score, pas de nationalité française. Faut bien sauvegarder notre civilisation. Alors, comme votre nom de famille est égal à moins 5, pour l'instant, total 0. Bon, passons à l'apparence physique. Ah, bien sûr que c'est important, monsieur. Comme dit le grand Charles, passe quoi. La France est un pays, monsieur, pas une mosaïque. Alors, les cheveux crépus, 5 points. Oh ben non, au moins, il rêve. Ah écoutez, non, frisé, je ne dirais pas, mais là, ils sont crépus, c'est net. Eh bien, monsieur, c'est quand le diamètre de la frisure est inférieur à 1 cm, voyez. En dessous, c'est crépus, au-dessus, c'est frisé. À partir de 5 cm, c'est bouclé. Et dans les 8 cm, c'est ondulé. Alors, vous, c'est... Crépus, crépus. Non, ok, on va vous fâcher, pas vous serez examiné par notre coiffeur assermenté. Bien, passons à la couleur de la peau. Ah oui, monsieur, c'est aussi une mesure, vous voyez, à l'aide de ce nuancier, oui. Ah, ça surprend, oui. Ça va d'un coefficient moins 20 pour le noir, très noir, à plus 1 pour le blanc, très blanc. À la rigueur, blanc cassé, tache de rousseur. Bien, monsieur, montez sur cette chaise, vous voulez baisser votre pantalon et slip. Et monsieur, nous prenons la couleur de la peau là où elle est la plus claire, parce que non soumise à l'effet du soleil. Alors ça, c'est marrant, parce qu'au lieu de râler, admirez au passage notre effort constant d'objectivité. Des gens dans la salle, et alors, ils sont même pas français. Alors, si vous refusez, c'est moins 20. Vous voyez, j'en veux. Hein? Ah, quand même, allez, allez-y, hop, allez, c'est votre... Allez, allez, allez. Oh, non, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça? Tournez-vous, enfin. Bon. Bon, restez de dos, hein. Oh là là, restez de dos, vous plaît. Hein? Ah bah, rouge brique quand même. Hein. Moins 15. Non, oh, bon, vous serez examiné par notre dermatologue assermenté. Bien. Pour terminer, passons à la religion. Oui, monsieur, ça aussi, les guerres de religion, on a beaucoup donné chez nous. Alors, moins 5 points pour la religion musulmane. Vous n'êtes pas musulman? Qu'est-ce que vous êtes? Alors, vous êtes bouddhiste? Krishnaïste? Oh non, vous n'allez quand même pas prétendre que vous êtes catholique. Oh non. Non, catholique, c'est bien le type sur la croix. Hein, vous avez un certificat de... Dites-toi, vous avez le bulletin d'analyse de l'eau baptismale? Non, c'est pas obligatoire. Bien, alors, dernière épreuve, je vais esquisser devant vous les pas d'une danse folklorique ici de l'une de nos plus belles régions. Allons voir, je vais vous intégrer. À vous de me dire, soyez attentifs, c'est parti. Voilà, alors cette danse, monsieur, provient du Poitou, de l'Alsace ou du Pays Basque? Non, je ne peux pas vous la refaire. Non. Alors, perdu, monsieur, c'était une danse du Berry. Voilà, moins 35 points, réponse de notre gouvernement dans 7 ans et demi. Mais si je puis me permettre de vous donner un conseil, monsieur, restez étranger. On peut très bien survivre dans votre état. Le jeune a un désespoir de la politique française. Ouverture d'esprit, enfin bref, tout ce qu'il faut. Accueil des étrangers, parfait. Bon, très sympathique.